gens ressortent de ce débat avec la vérité. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Oui, la Bible dit bien que Jésus est Dieu, sans ambiguïté. Parce qu'en fait, il y a des variantes textuelles qui existent à propos de la divinité de Jésus et qui changent complètement la donne. Je vous donne quelques exemples. On va prendre par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 16, où il est dit que le mystère de la piété est grand, Dieu est apparu dans la chair. Donc là, on a un texte clair que c'est là, Dieu est apparu, il s'est manifesté dans la chair en tant qu'homme. Un autre exemple. Bon, voilà, on peut avoir Jésus qui est Dieu dans une Bible. On n'a aucun problème. Par contre, quelle Bible? C'est surtout ça, la question. On va prendre par exemple Jean chapitre 1 verset 18, où il est dit que personne n'a jamais vu Dieu. Déjà, Jésus, enfin, l'auteur du prologue de Jean est clair. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique, ou le Fils unique, etc., parce que ce sont des variantes textuelles, l'ont fait connaître. Donc on a une Bible qui va dire que le Dieu Fils unique l'a fait connaître. Donc là, c'est clair que Jésus est Dieu. Mais on a la majorité des Bibles actuelles qui se servent de témoins beaucoup plus anciens pour le texte, qui nous dit que c'est le Fils unique.